Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Marie et nos deux petits lapins. Donc, grâce à vos commentaires, on leur a trouvé des noms. Le petit blanc s'appelle Neige et le marron s'appelle Choco ou Chocolat. Voilà, donc on lui donne son petit surnom, Choco Choco. Donc voilà, et tous les deux, ils ont fait un petit bébé tout blanc, tout mignon. Et il va falloir aussi lui trouver un nom. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de ramener les animaux. Hey, coucou Marie, où es-tu? Je ne te vois... Ah, tu es là. Je suis dans le lit. Bien réveillée. Je n'arrive pas à me réveiller. Écoute, je viens de me réveiller avec un bloc de sable dans les mains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah attends, on a plus de doudou, faut bien en choisir un. Hein. Pourquoi pas? Ouais, enfin bon, un bloc de sable, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Hein. Bah écoute, pourquoi pas? Écoute, il fait jour, il a l'air de faire beau. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille se chercher des petits animaux là pour... J'avoue que les lapins, c'était tellement bien de les ramener ici et c'est tellement cool de les avoir avec nous là, surtout qu'ils ont fait un petit bébé, je sais pas si t'as vu. Bah oui, t'as vu forcément, c'est toi qui me l'a dit. Non, c'est vrai, ils ont fait un petit bébé qui était trop mignon. Ouais. Oui, pendant la nuit, ils se sont bien amusés tous les deux. Hein. On les a bien entendus d'ailleurs, ouais, ça m'a empêché de dormir, c'est pour ça que j'ai fait la grasse mat. C'est pour ça. Je me suis dit, bah on a qu'à se dire ensemble, oui, ce serait cool d'avoir d'autres animaux dehors ou même avec nous. Bah, surtout que les lapins sont un peu sauvages. Hein. Légèrement, mais on a vu quand même pas mal d'animaux. C'est vrai, moi je me souviens des cochons qu'on a croisés et du mouton. Ouais. C'est vrai que au secours. Oh non, la baie vitrée. Est-ce que les lapins vont bien? Attends, ils vont peut-être s'échapper, faut que je mette du sable vite fait là. Alors, comment bien commencer la journée? Voilà. Avec une explosion. Bien c'est entendu. une belle journée. Je pense que ça, c'est le dieu de ce monde qui nous dit faudrait refaire la terrasse. Tu vois. C'est ça. Mais de toute façon, oui, il va falloir travailler parce que c'est vrai que la terrasse est pas très très. Elle est pas extraordinaire. Mais bon, nos priorités sont quand même d'avoir des animaux avant de pouvoir faire la maison, bien entendu. Voilà, parce bien que entendu. Bon. Faut qu'on pense à se nourrir quand même. C'est vrai. La fille horrible. Ah, oh, ce serait bien pour la compagnie. Non, moi j'ai faim. La compagnie et après pour les tuer. Alors attends vas-y, tire-lui dessus. Voilà, parfait. Donc, quelle belle équipe. Bah, faudrait qu'on reparte sur nos pas, donc là-haut. C'était parce là-haut que. Ouais, parce que le sable ça le fait pas. Je crois, hein. Dans mes souvenirs, on était passé par cette espèce de grande colline montagne. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait des lamas. Ah oui, c'est vrai, des lamas. On et même c'est vrai que si on pouvait récupérer un lama, ce serait trop trop bien. Il pourrait nous protéger, faire nos gardes du corps. Par contre, faudrait les retrouver. Il y a plein. Ok, d'accord. Donc ici, déjà, on va pouvoir récupérer des poules. Qui t'aime bien. Alors, comment est-ce que. Tu me suis? Si non, t'as des graines, oui. Ah, il faut des graines. Alors, coucou la poule. Graines, est-ce qu'on les récupère? Coucou. Ah, il y en a d'autres, il y en a plein, mais c'est super. Oh, il y a même un mouton noir ici. Il est trop mignon. Oh, je récupère les moutes-moutes. Oh, je veux un moutes-moutes noir. Tu t'appelleras Bernard. Ah, Bernard, le moutes-moutes noir. C'est Bernard, le moutes-moutes noir. Viens, mon petit Bernard, viens. Non, moi, ils aiment pas... Les cochons, ils aiment les carottes. Et les poulets, t'es sûr que c'est les graines? Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, une fois qu'ils t'ont repéré, après, c'est terminé. Hein. Par contre, oh, il y a un âne aussi. Non, mais c'est... Et un cochon. Non, mais il y a tout ici. Mais il y a tout. Bah, c'est super. Bah, je propose de faire des petits allers-retours. Oui, je pense. Je pensais qu'on allait devoir faire un périple énorme, et en fait, non. Bon, non, j'ai un mouton. Y a des animaux juste derrière nous. J'aimerais bien en ramener deux d'un coup. Est-ce que tu vois un autre mouton dans les parages? Alors, dans les parages, non. Je t'avoue. J'ai l'impression que c'est un mouton tout seul. Je suis en train de me balader là, un petit peu faire un tour rapide parce que... Ah, un cochon. Moi, j'essaye de ramener les poulets pendant que j'y suis. Ouais. Mais j'aurais bien aimé ramener deux moutons, ça aurait été pas mal. Bah oui, écoute. Je te laisse aller en chercher. Bah, je me balade là, mais je vois que des cochons. Bah, c'est ça. Ça fait un peu la brebis égarée, là. Bah, c'est peut-être ça, le vilain petit canard. Alors, par contre, moi, on est en train de me tirer dessus. Ne tirez pas sur mes poulets. Pas mes poulets. Ah, je vois un mouton. Un mouton blanc. Et il est où, mon mouton noir, maintenant? Ah, il est là. Ok, ils étaient à côté depuis le début. Bon, les chatons, ying et yang, là. On me suit. On recule doucement. On fait attention aux papates. On fait attention. C'est pas très pratique, moi. J'essaye de les faire descendre, mais ils écoutent pas vraiment. Essayez de descendre, les poulets. Moi, j'ai peur de tomber parce que je suis un peu en mode marche arrière. Ouais. Je sens la chute. Ça va être compliqué. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok, moi aussi, ça le fait. Ah, cassage de cheville. Décidément. Non, mais décidément. Heureusement que je suis douée avec ma trousse de soin parce que sinon, je serais déjà beaucoup cassée la cheville. Ah bah, là, je marcherai plus, je serai en fauteuil et... Surtout qu'il n'y a pas de fauteuil ici, donc on aurait dû en construire un en pierre, ça aurait pas été l'idéal. Ça aurait pas été l'idéal, non. Bah, je serais restée à la maison, je t'aurais regardé faire, écoute. Tu serais occupée de moi, tout ça.
Et le moutmout là, viens. Viens, moutmout. Moutmout. Il y en a un, il m'a lâché. Reviens. Géraldine, viens ici. Géraldine le moutmout. Géraldine la blanche et Bernard le noir. Venez, mes chatons. Venez, mes petits moutmout. Oui, tu es beau. Non, mais toi, tu es gentil, toi. Lui, il me suit pas. Lui. Viens là. Ok, donc je les ai enfermés vite fait. Oh la sale bête. Voilà, viens là. En espérant qu'ils y restent. Tu les as mis où, du coup, les poulets? Je les ai mis devant la maison pour l'instant, mais je sais pas où les mettre. S'ils sont bien enfermés, y a pas de soucis, hein. Ouais, ouais, mais ils vont pas se faire attaquer par des trucs? Non. Ah, faudrait que je les éclate. Oh, je suis dans la flotte. Ok, je suis pas du tout descendue du bon côté de la montagne. Je sais pas où je suis. Marie, je suis perdue. Bravo. Attends, je vais essayer de te rejoindre. Je suis perdue. Ta-la-ta-ta. Je sais pas s'il faut que je reparte vers mes pas. Je vois un poulpe dans l'eau, là, qui fait du surplace. Qui tourne sur lui-même. Je pense qu'il faut que tu reviennes sur tes pas. Je suis pas sûre. Mais je suis tout en bas, là. Je suis tout en bas de la colline, sur du sable. Et je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Soyez sages, les moutons. Sable. Alors, je vais contourner. Là, il y a un autre lapin. Allongé sur la plage. Sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. J'étais bien accompagnée. Alors là, je suis sur la plage, mais je te vois pas. Non, mais il vaut mieux que tu ailles tout en haut de la colline et que tu me cherches du haut pour après me guider, tu vois. Je vais faire ça. Ah, je te jure, hein. Le sens de l'orientation légendaire de Devovo. Totalement pourri. Je dis ça, en général, je suis pas mieux, mais bon. Je vais essayer de faire un passage parce que là, du coup, on a même pas de passage pour contourner si jamais c'est là-bas la sortie. Je suis tout en haut. Je vais essayer de les faire venir. Où es-tu? Je sais pas où t'es allé, mais tu t'es perdu. Mais non. Je sais pas où t'es allé, mais honnêtement, t'es pas là non plus. Attends, tu sais quoi? Je vais les enfermer en bas, je vais remonter pour voir où je suis. Oh là là, il fait gris d'un coup. Oh! Des bébés! Un bébé! Mais t'es mignon, toi! Ouais, bah oui, bah écoute, ils ont fait des bébés sur le trajet, hein. Oh, bah écoute, ils perdent pas leur temps, hein. Bah non, ils avaient l'air de bien s'entendre. J'ai bien choisi, hein, c'était bien un garçon et une fille. Robert et Comment tu l'avais appelé le premier déjà? Robert. Ah oui, Robert, d'accord. Lui c'est Robert et elle c'est je ne sais plus. mais t'en vas pas toi, reviens. Ça c'est la maman, parce que Robert. Je murmure à l'oreille des poulets. Revenez, petit. C'est par là-bas la maison. Petit. Hop. D'autres poulets. Encore d'autres poulets. Donc moi, en te cherchant, du coup, moi, je me suis perdue. Je n'arrive plus à trouver la maison. Mais c'est pas grave. Eh ben, c'est du joli. Ben moi, je vois le village. Je vois qu'on a mis plein de lumière. Donc du coup, s'il y a le village, c'est qu'on n'est pas loin. Donc c'est ça, vrai. C'est rassurant. Alors moi, je vois un poulpe. Est-ce que les poulets savent nager? Non. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Ils ont un petit peu du mal. Ok, j'ai un lapin. Mais ils s'en sortent quand même. Et le bébé, là. Oh, oh, oh. Par ici, la bonne soupe, là. Maman moutmout, viens ici. Papa moutmout, viens là. Hop. Oh, le périple pour ramener trois moutons, quoi. C'est la guerre. Viens là. C'est la guerre, mais on a réussi. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Il me regarde pas. Tu regardes le manger. Le manger, là. Viens. Voilà, c'est bien. Et le bébé, là, tu me suis, le bébé. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le village. Bon, on va arriver en même temps. Tu vas arriver avec ta troupe de poulets. Je vais arriver avec ma troupe de moutmout. Enfin, ma troupe. C'est ça. Ma future troupe de moutmout. Bon, vraiment, j'en ai que deux. J'en ai que deux, mais c'est déjà pas mal. Enfin, en tout, ça en fait quatre. Si les autres ne sont pas morts. Ok, je les ai ramenés. Par contre, moi, j'ai pas du tout de quoi faire d'enclos. Est-ce que t'as de l'enclos en rab? J'en ai pas des masses, mais je pourrais en faire. Ah, c'est vrai que j'en ai pas des masses par contre. Parce que là, je suis un peu bloquée, moi. Petit bébé, viens là. Maman, viens là. Surtout qu'il va faire nuit bientôt, je pense. Voilà, c'est bon. Hop là. Venez avec moi. Je t'ai fait un gosse poulet aussi. On va avoir poulet. J'avais un œuf qui traînait, du coup. Ah, bah oui. Je l'ai fait éclore et il est né. Il est né. C'est vrai qu'en jetant des œufs de poulet par terre, c'est comme ça qu'on les fait éclore. Tout à fait. Oh, ils sont mignons. Ah, t'as vu, ils sont bons, mes moutons. Voilà, les deux poulets, sautez par là. Non, allez, dans le truc. Allez, non, ne faites pas le tour. Vous êtes débiles, là. Ils sont intelligents. Oh, je te jure. Ah non, mais il y en a qui sont. T'as pas mis de portail? J'ai pas mis de portail, je sais pas comment faire. Parce que moi, j'ai un portail. En fait, c'est l'inverse.
Tu fais exactement comme quand tu veux faire des barrières, mais à l'inverse. D'accord. Et du coup, ça te fait un portail. Mais j'ai un portail là, si tu veux. Oui, je veux bien. Si tu peux le mettre comme ça, on met les deux autres poulets et on se concentre sur les moutons après. Alors, venez les poulets. Non, non, ne sortez pas. Non, non, non. Les moutons, restez ici. Oh là là, ils ont du mal, hein. Ah, voilà. Là, regardez les manger. T'as un bon... Il est là. C'est pour qui la bonne graine? C'est qui a pondu le joli neuf? C'est la poupou, là, sa maman. Voilà. Ok, là, il y en a deux. Toi, tu me regardes plus. Regarde-moi. Oh là là, je te jure. Marie en grosse galère. Non mais c'est bien. Non mais comme ça, je vois que je suis pas la seule à galérer, tu vois. Ça me fait plaisir. Allez, viens ici, au pied le canard. Allez, on va faire un par un parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Hop, ici, voilà. Rentrez dedans. Tu peux le faire, Marie. Mais je peux pas rentrer dedans. Mais c'est terrible. Là, rentre dans l'enclos. Tu vas rentrer, oui. En fait, tout le monde sort. Attention, deuxième bébé. Oh, des jumeaux. Oh, des faux jumeaux. Bah, c'est pas vraiment des jumeaux. C'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Ils sont adorables. Les poulets, écoutez-moi, je vous en prie. Ah, non mais... Pendant que Marie est en train de galérer avec tous les poulets, moi je fais de la reproduction de moutons. Ils veulent pas rentrer dans le truc, j'en peux plus. Marie, est-ce que tu peux prendre ça et t'occuper de mes moutons? Je vais m'occuper des poulets. Oui. Vas-y, oui. On fait un petit échange stratégique. Échange stratégique, voilà. Amuse-toi. Alors, les moutons, venez ici. Voilà. Tu vois, ils veulent pas rentrer dedans. Bah, je me demande si l'enclos, il est pas trop petit, du coup, quand tu veux reculer, tu vois, ça marche pas. Je pense que c'est ça. Bon, bref, faudrait faire un enclos pour les petits, moutons. Petit. Mais vous êtes des teubés ou quoi? Viens là, toi. On est d'accord. Les poulets. Non, mais regardez, ils me regardent tous là, d'accord? Ils me suivent. Ouais. Ok, à la queue le. Ta-da-ta-ta-ta. À la queue le. Ah. Ferme la porte, s'il te plaît, Marie. Avant qu'il soit trop tard. Ah oui. Oui. Attends, il y a un mouton qui va se mettre dedans. Alors attends. Moi, il faudrait que je fasse plus de trucs. Ah, comme ça. Voilà. Sortez plus. Voilà. Marie, où je dis de me surveiller mes moutons, elle part faire un enclos, quoi. Ben oui, comme ça. Je peux les mettre dedans. Naturellement. Bon, viens là, toi. Viens là, mon gros. Viens, Robert, viens. Il y a un bel enclos qui t'attend, là. Ah, Robert. Du coup, ils te suivent, toi. Ah, pardon. Hop, j'ai fait. Oui, non, mais l'herbe est toujours plus, tu vois. Plus vert chez le voisin. Voilà, c'est ça. Toujours. Allez. Plus vert chez des beaux. Allez. Il est trop petit. Oh, les casse-noisettes. Ramène-toi. Fais pas demi-tour. Regarde le manger. Voilà. Non. Ah, voilà. Attends, je mets le portail. Non. Non, enfoiré. Viens là. Mais ils suivent leur mère, écoute, que tu te dises. Bah oui, et le père, il est parti où là? Il est là-bas, c'est bon, il se balade. Le père, il est là-bas. Venez là. Bah, tombez pas dans le trou, on a perdu un gosse dans le trou. Revenez ici, voilà, oui, c'est bien. Oui, Marie, ferme l'enclos. Attends, je suis partie. Marie, l'enclos. Je suis là, je ferme, voilà, non. Ah, attends, je sors. Ah, ok, oh. il en manque un, il est là. Il en manque un? Lui. Oh, merde. Il manque le père, le pater, il manque Robert. Robert, il est là. Oh, mais dis donc, on aura galéré, hein. Hop. Allez, Robert. Allez, mon gros, allez. Viens ici manger le bon. Viens manger le bon, miam miam. Viens, Robert. Viens, mon toudou. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Il est débile. T'as des torches ou pas? J'en ai plus. Ok. J'en avais 4. C'est bon? Allez. Robert, viens ici, Robert. Oui. Vas-y, Marie. Attends. Oh, miracle. C'est bon. Non. Ah, alors, on va mettre des torches pour les moutons. Parce que sinon, ça va être terrible.
Est-ce qu'on a de quoi faire des torches maintenant, telle est la question. Non. On a plus de charbon? On a plus de charbon. Avec du bois? Charbon et tout, mais on a plus de charbon. Ah oui, on peut faire. Attends, on peut en faire avec. Alors là, on a des lingots de fer, ok. Dans ce four-là, on a quoi? Ici, on a rien. Moi, je vais mettre du bois aussi pour faire. Je sais pas. Pour faire cuire du bois, du coup. Pour faire du charbon. C'est ça. Charbon voilà. De bois. Comme ça, on pourra les éclairer parce que là, c'est la nuit. Donc pour l'instant, je vais les, je vais les défendre. Alors, je vais faire des torches. Ici, on a du charbon de bois, donc ça, c'est bien. Il y a des araignées qui essayent de tuer les moutons. Sauve les moutons, Marie, sauve les moutons, j'arrive avec des torches. Ils vont pas vers, ouais, ils vont pas vers les cochons, n'importe quoi. On n'a pas encore de cochons, Marie, pas encore. C'est ça. C'est la prochaine étape, les cochons. J'ai vu qu'il y en avait en plus là-haut, dans la vallée. Dans la vallée. Oh! Oh, le squelette! Mais tu vas te calmer direct, toi. Ils sont en train de péter un câble sur moi. Ah oh, non, j'ai plus qu'un demi-cœur, non. Il est où? Il est où, Marie? Marie! Un creeper! Ah! J'ai sauté, Marie! J'ai sauté, un secours! Je suis mort! Il y a un squelette! Je me sens pas bien, je me sens pas attends, bien. Attends, Marie, j'arrive! Je viens de soigner ma. T'es déjà là-bas? Oui, je me suis réveillée dans le lit, je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, tiens du bois avec ta trousse de soin, j'ai dû me perdre. Je sais pas. Attends, je te mets un steak sur la tête. J'en mange un aussi. Mais je te mets le steak sur la tête pour. pour que ça aille mieux. Tu sais, quand ils sont frais et qu'ils sortent du frigo, ça enlève les hématomes. Parfaitement, parfaitement. Attends, je vais aller récupérer mes affaires. Oui, tout à fait, Marie, tout à fait. Est-ce que les moutons sont toujours là? Ah, mais il y a un squelette. Ah. Attends, faut attends. Que je récupère mes affaires. Je vais l'assommer à coup de pelle, il est où? Aïe. Il est là. Ah, c'est un bébé ou quoi? Ah non. Toi, tu t'en... Je vais mourir, Marie, je vais mourir, Marie. On est en train de mourir pour protéger nos animaux, mais arrête! C'est bon, le squelette est mort. Je vais mal, Marie, j'ai besoin de soin. T'as pas un steak en rap? Tiens, attends, je te mets un steak sur la tête. Attends, ça c'est pas un steak. Voilà. Merci, voilà. Marie. Ça va déjà nettement mieux. Je vais aller récupérer mes affaires, je vais pas... Non, mais quand je dis que je vais mourir, j'exagère toujours un petit peu. C'est juste que je suis un petit peu assommée, quoi. Forcément. J'entends un zombie. Non, mais là, ça va, quoi. À un moment, il faut arrêter, là. Faut arrêter, on est en train de protéger nos animaux. En plus, j'ai pas d'épée, moi. Je suis en train de me battre à la hache. Voilà. Encore? Vas-y, à la guerre, Barry, à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Oh, mince. Non, mais tape-moi dessus, vas-y. Excuse-moi. C'était pas du tout mon intention. Alors. Creeper, arrête de creeper. Encore. En fait, lui, faut le taper et reculer. Ouais, c'est ça. Et retaper, re-reculer. Faut pas se louper parce que là, les enclos, ils sont juste à côté. Je veux pas. Voilà. Oh. Mais non, j'ai reculé quoi. Toi, t'as pas réussi. À un moment, ça va quoi. Oh, on a des pastèques. Des pastèques. Ah non, c'est des cactus. J'y ai cru. Oh, tu m'as donné un de ces faux espoirs. Ah, bah, des pastèques. C'est ça. Des pastèques. C'est ça. J'adore les pastèques. L'été, je pourrais manger que ça. Ouais, pareil. Il faudra qu'on aille en trouver d'ailleurs. Pour pas manger ça l'été. Carrément. Bon, alors, quand le jour se lèvera, je pense qu'on ira se coucher parce que les animaux sont en sécurité. Et nous, mais derrière, là, on est en train de pas dormir de la nuit. C'est ça. Non, mais à un moment, va falloir aller se coucher. Là, faut. Je pense qu'on a bien. Oula. Encore un. Ok, on s'occupe de celui-là. Et après, on a mis nos enclos, on a fermé nos enclos, on a mis de la lumière. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, je crois que je me suis piégée. Pardon. Bah, oh, désolé. Il y en a un qui s'est échappé. Ah, faites des bébés là. Hein. Voilà. Voilà, faites des bébés. Encore des poulets. C'est par contre, j'ai plus de quoi faire des bébés moutes là. Est-ce que tu te restes quelque chose, toi? Il faut du blé, c'est ça? Ouais. Évidemment, je lâche les œufs, il faut que ça fasse un poussin. Bon bah il y a un poussin qui s'est perdu chez les moutons. Pourquoi pas? Hop, ils refont un bébé, voilà. Quelle couleur? Attention, zombie derrière toi, zombie. Zombie des sables. Oh mon dieu quoi. C'est bon. Alors comment il est ce petit? Oh, eh ben il est gris. Bah apparemment voilà, un mouton blanc et un mouton noir, voilà, ça fait du gris.
Voilà. Bon, et bah, c'était vraiment une journée épuisante. Je crois qu'on va aller se reposer un petit peu là. Moi, j'en peux plus. Je vais me coucher. Et là, on va se coucher. Il est 5h du matin quand même là. Ouh, j'en peux plus. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, Devon. Bisous. Et voilà les loulous, cet épisode est terminé. Si vous l'avez remarqué, Marie est un petit peu malade. Elle supporte pas les graminées et le printemps. Donc la pauvre, le temps qu'elle aille mieux, on rétrécit un petit peu les épisodes. On lui souhaite un bon rétablissement, on lui fait des gros gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez des noms pour nos nouveaux animaux, des petites idées, au moins qu'on ait un couple à chaque fois qui ait un nom, et puis pour notre bébé lapin. Moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.